Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 18e épisode sur The Last of Us 2. Et rappelez-vous, nous étions en train de pénétrer, oh, de pénétrer cet hôpital à la recherche de Nora. Alors je sais pas pourquoi je suis en mode discrétion, à mon avis il n'y a plus trop d'ennemis, hein. Ah c'est juste ici. Vous avez vu comment ils font genre, il y a des petits rayons de lumière pour bien te montrer que c'est ici. Bon ok, y a pas de cinématique en fait. Ça va, t'es sûr que ça s'est bien protégé? Au pire. Ouais, bon. J'allais dire au pire, ils pourront péter les fenêtres. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Et pourquoi je vais sous un escalier? Bah on me donne la possibilité, donc en soi. C'est assez énorme ce que vous me proposez là. Là-dessus. Bam! Personne n'était prêt. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est assez sombre. Ok. Il y en a peut-être des trucs à ramasser. C'est sombre et très silencieux à la fois. On va voir si on peut s'améliorer quelque chose. Ouais. Respiration bloquée. Ça peut être cool ça. Ça coûtait pas très très cher. Et on va prendre ça. Voilà. Comme ça on n'aura plus que 3. Mais au moins. Ah, c'est bloqué, merde. Mais il y a des petits trucs devant. Hé hé. J'ai même réussi à faire tomber un médoc. Bah, alors ça, c'est dingue. En vrai, toujours la santé au maximum. Enfin, le nombre de kits de soins au maximum. C'est beaucoup plus important que d'être. Disons silencieux. Il y a de la musique là. Il va se passer quelque chose. C'est toi, Nora? Attendez, on va voir. Okay, on a peut-être trouvé Nora. Si t'avais posté plus de gardes, Abby serait peut-être encore dans sa cellule. Quand est-ce qu'Abby était ici? Je suis pas stupide. Tu vas nous dire où elle est partie. Quand Isaac nous posera des questions, je lui dirai ce qui s'est passé d'après moi. Fais-toi plaisir, j'ai encore du travail. Nora! Je refuse de payer le prix fort à cause d'elle. Ok, donc Nora, on a. Le visage. On a une tête sur la personne qu'on cherche. Et encore heureux qu'il y avait de la moquette, hein. Parce que là, sur du parquet. On était cuit. Oh putain. Bien malheureux ceux qui n'ont jamais fait de demi-tour là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bien vu. Une petite balle. C'est la balle qui fera la différence. Tu sais, j'ai une balle dans chaque fusil. Ça me fait vraiment mal. Ici, c'est pour avancer. Et là aussi, on peut avancer. J'ai des doutes. J'ai des doutes. On va essayer par là pour voir. Ouais, bon c'était sûr. On est ici pour une seule chose, nous. Crie pas. Pose tout ça. Tu me reconnais? Qu'est-ce que tu veux? Abby est venue ici. Où elle est maintenant? J'en sais rien. Si tu tires, le bruit va rameuter tous nos soldats. Ouais, mais tu seras morte.
Dis-moi où elle est, et peut-être que je te laisserai partir. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Mais vous auriez jamais dû foutre les pieds à Jackson. Où est Abby ? Tu les entends encore, ces cris ? Quoi ? Je les entends toutes les nuits. Ouais. Ouais, ce fils de pute a eu ce qu'il méritait. Espèce de sale ! Alaise ! Une intruse ! Alaise, quelqu'un ! Oh putain ! J'étais pas prêt. Tiens, vas-y, bouge de là, toi. Nora ! Tu t'en sortiras Hop, pas comme petite ça ! Petite cascade. Qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh ! C'est assez intense, j'ai l'impression d'être dans Uncharted. Tiens, je passe là, moi j'en ai rien à foutre. Regarde, en plus c'est ce qu'il fallait faire. J'ai pas peur, moi. Regarde, j'escalade tout. Où est-ce qu'elle est? C'est par là? Putain, je me suis gouré. Elle est où? Non, mais c'est bien par là, mais... Ensuite... Je vais me prendre un coup sorti de nulle part, moi, tu vas voir. Personne va être prêt. Et merde. Putain, je l'ai vraiment perdu. Non, non, non! Allez, reviens là! Ok, c'est chaud, il faut que j'arrive mon micro à chaque fois. C'est assez incroyable ce qui se passe. En plus, il y a des petites QTE. Donc je peux jamais vraiment me reposer. Oh putain, merde. Jette tes armes par terre. Allez. Non, non, attends. Non, 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 non. Arrête, attends. Ok. Jette ton arme. Écoute, t'es pas obligé de faire ça. Ferme ta gueule. Jette ton arme, main en l'air. Faut ta corps. T'as nulle part où aller. Non, non. Attends. Non. Elle va sûrement devenir affectée, elle. Pourquoi il y a du courant ici? Peu importe, il faut qu'on la trouve. Ça venait d'où, ça? Faites gaffe! Ah merde! Ok, c'est bon, on est safe. J'ai rallumé mon micro. Oh misère! Bon, il a l'air d'y avoir encore un humain. Putain, mais frère, t'es le mec de l'immortel, toi. Vas-y, attends, je vais t'aider, Clacker, c'est par là. De toute façon, il peut pas faire demi-tour. Bah allez, va le bouffer là. Je vais devoir m'en charger. C'est vraiment ce que t'es en train de me dire là? Ok. Il ne reste plus qu'un claqueur. L'idéal ce serait de se le faire sans utiliser de balles. Bon bah écoute. C'est toi ça là? Attends, elle est où ta tête? Bon, j'ai dû utiliser mes deux balles, je sais pas ce qu'il faisait exactement. Peut-être que j'aurais pu contourner. Ah putain, quelle merde, j'aurais pu contourner. J'ai gâché deux balles. Non mais ouais, ouais, ouais. C'était plus classe quand même, au moins on a vu les effets de particules du verre. Et je pense que je vais bientôt battre le record du nombre de vitres brisées.
Je pense, ouais. Très très vite. Bah alors, c'est qui a tué qui là? Parce que. Il y avait beaucoup plus d'humains que. Que de claqueurs, on est d'accord? Bon, y a rien. C'est nul. Comment ça se fait qu'il restait quand même deux humains? Et un claqueur qui faisait rien du tout. Ah merde. Putain, je peux rien me crafter en plus. Des flèches, mais il manque du scotch. Merde alors. Bon, bah on va avancer. C'est sympa cette petite lumière là. C'est très très cool. Est-ce qu'on a des balles de pompe, des cartouches? Ouais, ça c'est bien. Ça pourrait nous servir de toute façon, on est déjà grillé, donc bon. À partir de là. Ah merde, c'est encore à moi. Eh, vous me laissez jamais apprécier le jeu, je suis tout le temps en train de jouer moi. Parce que vous savez, quand c'est la personne qui a la manette en main, on voit moins de choses que quand on est spectateur. T'es parti où? Vous en êtes conscient. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va transformer super vite? Ok. Je suis désolé si vous voyez rien. Moi non plus, je vois pas grand-chose. Ok, donc elle est dans le coin. On va fouiller quand même. J'éteins ma lumière parce que, bah, vu qu'elle vient juste de respirer les spores, elle est encore sensible à la lumière. C'est elle? Non, c'est une chaise. Merde, c'est par là. Ah putain, en plus il y a le soleil qui se lève dehors là. J'y vois rien. Je vois rien du tout. Ok, on approche. Elle va me dire, mais pourquoi tu arrives à respirer toi? Elle est où? À ma droite. À ma gauche? Quoi? Je l'entends derrière ce mur en fait. Ok, tu vas m'attraper les fesses? Attends, mais c'est quoi cette résonance? C'est incroyable. Elle est à ma gauche, mais. Ok, on n'avait pas besoin d'éteindre les lumières. Salut Nora. Oh non, oh non. Bah de toute façon, qui allait nous suivre ici? Sans masque. Oh la vache. That's a lot of damage. Je sens que ça va être une scène mémorable. A tout de suite. Où est Abby? Tu respires des spores. Les lucioles n'existent plus maintenant. Où est Abby, hein? Je vais mourir de toute façon, pourquoi je te le dirai? Parce que je peux t'achever. Ou te faire souffrir encore plus. Pense un peu à ce qu'il a fait. Combien de gens sont morts à cause de lui? Dernière chance. Je trahirai pas mon ami. Yeah.
Oh putain, c'est à moi de le faire en plus. Vous êtes vraiment des bâtards, Naughty Dog. Hein. Yeah, pop con. Oh misère. Cette scène était vraiment trop belle. Hein. C'est moi. Tu vas bien? Putain. C'est ton sang, ça? Elle s'est planquée dans un aquarium. D'accord. Viens. On va nettoyer tes plaies. Les bras. Je l'ai fait parler. Hé. Ça va aller. Je veux pas te perdre. Tant mieux. Tant mieux parce que moi non plus, ou juste tant mieux, je m'en fous. Attendez, c'est Ellie qu'on contrôle? Arrête de tourner la tête! Oui, c'est bien elle. Putain, on est de retour à l'hôpital de Salt Lake City. Oh, misère. Par contre, qu'est-ce que le jeu est beau. Et cette musique là en fond. Ah putain, je vais baisser un peu, c'est fort. Mais c'est magnifique. Pendant la cinématique là, j'étais limite à larmes aux yeux. Il doit bien y avoir quelque chose. C'est trop beau en fait. Et rien que pour cette cinématique qui a été très courte, putain, ça valait ces dernières heures de gameplay où on faisait que de se balader et tuer des gens. C'est notre récompense, hein. Bon, tu vas arrêter de parler en même temps que moi, par contre. C'est notre récompense à chaque fois qu'on avance dans le jeu, on a une petite partie, une petite pépite, j'ai envie d'appeler ça comme ça.
putain, c'est magnifique. Par contre, ça me fait aussi mal au cœur de voir Ellie aussi, aussi mal en point. Enfin, comme elle était 2 ans plus tard. C'est quoi ça? L'infection a clairement muté. Voyons si les résultats d'examen corroborent nos théories. C'est du lourd. D'accord. Ouais, bah nous, évidemment, on sait tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Mais Ellie est là pour des réponses. Elle est là pour des réponses et il n'y a pas Joël. Donc elle a peut-être fugué. Demain à la même heure, on bouleversera le cours de l'histoire. J. Et c'est vrai que même pendant que Nora parlait à Ellie, il y avait tout ce poids qui est revenu sur nous, sur moi aussi pendant que j'avais la manette en main. Et pendant que je mettais les coups, j'y réfléchis. Attendez, je fais une petite pause pour qu'on parle de ça, on sait jamais si ça va déclencher une scène. Il y a tout l'impact qu'a eu la décision de Joël. Dans cet hôpital même. Celui-ci, c'est ce fameux hôpital de Salt Lake City. Ah putain. Ça rappelle le premier jeu, hein. C'est vrai que ça manque les Lucioles. Ils étaient pas tous sympas, mais au moins... ils étaient là pour sauver le monde, comme on dit. Enfin, dans l'optique de sauver le monde. Tu sais, ça me fait plaisir d'avoir catalogué... ça m'a fait plaisir d'avoir catalogué et récupéré tous ces équipements rares d'hôpital. Et à peine j'ai fini, qu'on me dit que c'est plus la peine. Putain, je n'arrive pas à croire que vous ayez voté notre dissolution. Ok, c'était un petit miracle et on a laissé s'envoler. C'est de la merde. Mais le monde entier est dans la merde. Comment peut-on baisser les bras comme ça? Et maintenant quoi? On s'installe dans les zones de quarantaine? On rejoint des groupes de résistants pour rave? Plutôt crever. Faut bien que quelqu'un sorte les doigts. Je passerai le restant de mes jours à essayer de les retrouver. Même si je dois y rester. Scott. C'est vrai que les Lucioles avaient un impact tellement fort sur la population. Puisque c'était une sorte de milice aussi. Mais qui invitait tous les Américains, en fait, la nation, à se joindre à eux. C'était assez puissant. Je sais pas si on avance par ici ou si c'est... Ou l'histoire se déroule plutôt par là. J'ai pas l'impression. Mais ouais, les Lucioles, c'est vraiment un truc fort. Hein. C'était une putain d'institution, si on peut dire. La fameuse salle d'opération. C'est celle-ci? Ça a l'air d'être celle-ci, mais en même temps... Mais frère, une salle d'opération, ça en est une. Hein. Elle ressemble à toutes les autres. Ah, c'est possible, je sais pas. Il y a le drap caractéristique. Qu'est-ce qu'on a là? La plupart des gens sont déjà partis. Je sais pas avec quel groupe je vais aller. J'étais avec ceux qui voulaient prendre en chasse le contrebandier. Et la fille. D'après les autres, même si on la trouvait ou si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne capable de créer un vaccin est morte. Si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. Si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne. Allez! Viens là. T'es complètement folle. Tu peux pas te barrer comme ça en pleine nuit. T'aurais dû me prévenir. Au lieu de me laisser un mot à la con. Dis-moi, ce qui s'est passé ici.
Tu mens encore une fois. Je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Mais si tu me dis la vérité, je retourne à Jackson. Peu importe ce que c'est. Fabriquer ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Eh ben, qu'est-ce qu'ils sont forts. Quelle cinématique. Waouh, c'était si puissant. Genre, putain. Ils savaient que ce moment allait arriver, Joël. Ils savaient que... Dina. Tôt ou tard, il faudrait lui dire la vérité. Don't Turn. Je connais pas ces films-là. Ouais, donc ils savaient pertinemment que le jour où il lui dirait la vérité, quelque part, il la perdrait un petit peu en chemin, dans le sens où bah, il a fallu quand même, je sais pas, au moins peut-être 1 an, 2 ans, avant de lui révéler ses secrets. Faites la guerre, pas l'amour. Tiens, regarde Joël, c'est ton préféré. Et mine de rien, ouais, c'est très étrange, le choix de Joël, je sais pas si on aurait été beaucoup... à être capable de le faire. Je sais pas si on aurait été, ouais, si on aurait eu les couilles en fait de choisir de donner sa chance à une petite fille de 14 ans qui avait tout le monde devant elle, toute la vie devant elle et tellement de choses à découvrir. Elle avait jamais quitté les zones de quarantaine avant de connaître Joël en fait. Et elle découvrait le monde à ses côtés et tout ça, ça avait un impact fort. Et c'était gravé dans leur mémoire à tous deux. Du coup, Joël, je pense qu'il a juste fait comme si c'était Sarah. Comme si c'était Sarah qui était la seule immunisée et qu'il avait entre guillemets le choix. Même si on est tous d'accord que ce choix ne lui appartenait pas vraiment. Voilà, de sauver une vie ou de sauver toute l'humanité, c'est sûr que
Nous, on aurait peut-être choisi la facilité de la laisser mourir et tout ça. Mais peut-être qu'il a fait le bon choix pour lui. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas le bon choix pour, j'allais dire pour nous tous, mais pour la vie sur Terre. Ah bah, au final, je pouvais continuer d'avancer. Je peux continuer un petit peu mon discours, alors vous me permettez? Ah, c'est très puissant et il fallait à tout prix, voilà, de la next gen pour rendre hommage à ces moments forts en émotion. Ça pouvait pas se faire sur PS3, ça. Et je comprends que Neil Druckmann est au final, comment formuler ça, ait revu ses ambitions à la hausse en guise de. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, je pensais reconnaître des figures bien précises de la culture, mais en fait non. Oui, Neil Druckmann a revu son Dina? travail à la hausse en fait. Jessie? Et je le remercie pour cette scène et pour ces scènes fortes en émotion. À tout de suite. Ils sont où tous les deux? J'avoue que c'est assez mystérieux. Alors si on les retrouve en train de fricoter, oh là là! Je vous garantis qu'il y a des têtes qui vont sauter là. Est-ce qu'on peut s'entraîner à la guitare vite fait? C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais vu qu'on était en vidéo, je me permettais pas. Et je me suis dit, allez, aujourd'hui on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, on va faire celle-ci. Non, on peut pas. D'accord, je sais pas trop ce que ça fait. Ok. Ça ressemble à une chanson connue, mais j'ai pas le talent. Merde, ah là là, je me gourre de touches. Ok, c'est cool, c'est assez anecdotique, j'avoue, je connais aucune des notes de la guitare. Le seul instrument que je sais à peu près jouer, c'est de l'ocarina. Donc, je kifferais trop voir un vrai guitariste s'essayer à cet exercice. Voir si c'est vraiment fidèle et connaître son ressenti là-dessus. Mon frérot, pourquoi tu nous regardes comme ça? On t'a rien fait de mal, nous. C'est toi qui l'as mis enceinte, c'est pas moi, hein. Elle a eu une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte. Je comprends pourquoi t'es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Mais je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener? Elle partira jamais sans toi. On s'en tape.
On va chercher Tommy. L'aquarium dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby. Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part alors. Je te rejoins devant. Ouais. Salut. Salut toi. Il faut que tu viennes fermer la porte. Ok. En route. D'après ta carte, l'aquarium est sur la côte. Ça devrait être par là. Ouais. Comment on fait pour rester au sec dans cette ville? Vous savez, en plus, au moment où j'allais rallumer mon micro, j'allais dire c'est ce qu'on appelle le soleil de Seattle. Et au final, elle m'ôte les mots de la bouche. Ok, vas-y. Mais les cinématiques sont tellement puissantes, c'est incroyable. Vous imaginez, on s'imagine pas être à la place ni de Jesse qui est le père, mais son ex est maintenant avec Ellie. Ça change rien, ce sera toujours lui le père, mais je veux dire, comment tu te sens quand tu la prends comme ça? C'est fou. Et c'est vrai que au moment où Ellie a prononcé les mots Tommy est là à cause de moi. Je lui ai pas dit que tu savais. Si c'est ça que... Non, c'est bon. Donc au moment où elle a dit Tommy est là à cause de moi, c'est vrai que notre pauvre frérot... Non, je crois pas. Bah il est là... Kaby se cachait là-bas. Il est là vraiment parce que son frère a foutu la merde. Ouais. Joël s'est brouillé avec des lucioles. D'anciennes lucioles, maintenant. Ah ouais? À cause de quoi? Ils faisaient du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de... la marchandise. Une bagarre a éclaté et il y a eu des morts. Je suppose qu'ils ont voulu se venger. Merde. Ça change quelque chose pour toi? Non. Après, dis-moi bien mettre une chose. Quand on aura trouvé Tommy, tu seras d'accord pour rentrer? Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés en vie? Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok. On est d'accord. C'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est... Est-ce que... Moi, je connais Ellie et vous aussi sûrement. On sait très bien que quand ils vont trouver Tommy, elle va pas rentrer. Elle ne va jamais rentrer tant que Abby sera sur cette planète. On le sait tous. C'est plus fort qu'elle. Et on n'aurait pas le sentiment d'avoir une vengeance complète. Tu viens, mon pote? Ouais, je t'attends. Ouais, ça me fout les boules pour Tommy, c'est vrai que le mec, il a dû assumer tout ça. Tous les mauvais choix de son grand frère. C'est quand même fou, non? Le mec, déjà, il subit les erreurs. Mais en plus, il a tout l'impact moral du fait qu'il, lui, doive aussi se venger. Ah putain, c'est difficile à mettre des mots là-dessus et je pense que c'est ce que le studio a voulu faire. Hein. Si c'était juste une histoire explicable en deux lignes, ça serait pas bien. Ce serait pas bien. Ce serait pas à la hauteur de ce qu'on attend. Est-ce qu'on peut ouvrir ce camion? J'ai vu qu'il avait un beau reflet. Il m'a séduit avec ses petites courbes là. Ah! On a quelque chose à fouiller là-dedans. On va se mettre vite fait au sec. C'est vrai que le jeu me dit de rallumer ma lampe torche.
J'y pense presque jamais en vrai. Enfin, si, j'y pense quand c'est vraiment sombre, mais là, tu vois, je devrais y penser plus. Pour vous, au moins, pour votre confort visuel. Parce que. Je vois de la lumière par là. Comment ça? C'est coincé? Ouais. On va devoir faire le tour, mon pote. Tu le sais. Tu crois qu'ils vont foutre la merde à Jackson après ça? Hein? Comment ça? Ah bah, on aura buté pas mal d'entre eux. Et dans leur ville. Oui, mais c'est de leur faute. Mais Abby et ses potes sont pas venus à Jackson à cause d'un truc qu'a fait Joël? Mais ici, c'est pas comme Jackson. Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer. Eux, ils essaient de buter tout le monde autour d'eux. T'as bien vu, ils t'ont tiré dessus sans hésiter. Ouais. C'est vrai. Je suis pas trop d'accord avec ta défense, Elien. Je suis désolé de te le dire, mais le fait de dire « c'est pas pareil » Quelques jours seulement. Tu l'aurais vu quand on est arrivé ici. Elle a défoncé un paquet de wolves. Tu serais resté sur le cul. T'inquiète pas. Faut pas la chercher. Ok. Je vais prendre un silencieux vu que là on n'est plus dans l'hôpital, donc on n'est plus trop repéré. On va changer. Merde. On va changer ça. Voilà mon pote. J'imagine que c'est par là, non? Ici c'est bouché. Eh, c'est plus bouché que le périph, mon gars. Y a des trucs à ramasser là? Bah alors pourquoi tu regardes une cagette, mon pote? Et je pense que cet épisode, je vais le laisser sans coupure, sans montage. Je trouve que c'est peut-être l'épisode le plus intéressant qu'on ait eu depuis... Waouh! Depuis le 10e, depuis l'anniversaire d'Eli. C'est un des meilleurs. Pour moi, c'est un de mes préférés jusqu'ici. J'adore le tourner. C'est très bizarre parce que je peux pas vous dire j'ai adoré le tourner. J'ai pas fini. J'ai pas fini encore. Et pour vous, au moment où vous le verrez, ce sera déjà fini. C'est très étrange le temps, hein, parfois. En fait, ce jeu me pousse à la réflexion tout le temps. Et je peux crafter des trucs. Yay! On avait dit des flèches. Hein. On sait jamais, ça pourra nous servir en dernier recours. Alors, qu'est-ce que t'as vu, toi? C'est ça qui te plaît? Des enveloppes? Ouais. Peut-être que Jesse était facteur dans une autre vie. Là, j'ai vu que c'était ouvert, mais on peut pas y aller. Donc, il nous reste le rideau métallique. Non. Ah, ici. Heureusement qu'il y a le petit triangle. Viens m'aider. Allez. Us! Vous voyez, ça paye pas de mine, mais le fait que le carton tombe, par ici, ça rajoute quand même de l'immersion. On est d'accord. Dis-moi juste, pourquoi elle m'a rien dit pour le bébé? Écoute, je suis sûr qu'elle t'en parlera. Qui t'a dit ça? Le chef en personne. On s'assure que la voie est libre. On est là. Dernière fois, ce sera pas comme la dernière fois. Pietro. On a tous le feu. Ils surveillent toute la côte. Ils vont nous buter avant même qu'on débarque. Allez, courage. Tu parles comme eux. C'est pas comme si on avait le choix de toute façon. Pense plutôt à ce qui va changer si on réussit. Ils ont l'air d'être un peu nombreux. Ça a pas l'air d'être spécialement des wolves. Les enfants! C'est doublé! À ta gauche! Merde, je croyais que c'était toi à ma gauche. Bah oui, c'est toi. Merde, j'ai plus de balles. Mais arrête! Bah, j'ai pas le temps pour ça, tu comprends? Je suis là pour sauver mon tonton! Won't you understand? At the end. Oh, c'est pas possible ça. Oh putain, c'est toi. Hé, hey, ami! Devant nous! On avance! Compris. Merde, tu te mets devant moi. Comment tu veux que je vois où je vise? Je suis pas bien.
Ok, on va soigner vite fait. Jesse, tu pourrais faire quelque chose, s'il te plaît? Bien tenté. Putain, mais c'est pas possible. Vous êtes des experts chasseurs, vous, quoi. Ah, en ce moment, j'arrive pas à viser, c'est chaud. Qui tu es, toi? T'as rien à dire? Ok. Bordel de merde. Dis-toi que... t'aurais pu te défendre si jamais t'avais ouvert la bouche. C'est Wolf. Ils ont la gâchette facile. Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. Je les ai entendus en parler. Ouais. Des Séraphines, un truc comme ça. Séraphites. Moi, je les ai entendus les appeler Scar. T'en as croisé? Non. T'as de la chance. Ok, on aurait pu se la jouer vraiment en discrétion. Je vais arrêter de le préciser, ça, parce que vous... vous comprenez maintenant. J'espère. Depuis quelques épisodes qu'on se connaît maintenant. La discrétion, c'est pas mon fort. Et d'autant plus quand le système est poussé à ce point-là. Moi, je suis un bourrin, hein. Je suis pas là pour rigoler, les potes. Hein. Moi, je suis là, tu me dis il y a un ennemi en face, j'y vais. Je pense que je jouerais tank si j'étais dans un Meuporg. Ouais, je serais le tank. Mais même dans Rainbow Six, je suis toujours avec le pompe. Hein. Moi, je suis pas là avec les snipers, des trucs comme ça où il faut viser. C'est pas mon fort du tout. Et en même temps, on avait pas trop le choix. Hein. T'imagines si on était resté par exemple dans cette pièce là et qu'il y avait un wall qui arrivait? Ouais. Comment on fait? À part pour péter la vitre, ce qui n'est pas du tout discret non plus. Et je me suis dit que rester dans l'herbe, ça allait être compliqué puisque ils ont avancé d'un coup, genre vraiment d'un coup. Et j'étais un peu désarmé, si on peut dire. Celle-ci est meilleure. Ce pied de biche est meilleur. Il a une barre de plus. Ça change tout. Ok, je passe pas mal de petits recoins là. Attends, mais qui fait des trous comme ça dans les murs en vrai? Personne. À la limite, si c'était une porte, je t'aurais fait ouais. Là, tu te fous vraiment de ma gueule, l'architecte. Mais à part pour les besoins du jeu, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Les soins toujours. Sans hésitation. Ici on a rien. Non, c'est trop sombre et puis il n'y a pas d'accès. On va ressortir calmement. Maintenant que tout est fini. Et c'est trop beau. Il me semble que c'est là qu'ils ont fait un des screenshots que j'ai le plus apprécié. Il était vraiment beau. Et voilà, ça s'arrête là. Il était beau. Et on a 4 balles. Ok, on est donc... Attendez, mais ça, je connais ce quartier. On n'est pas... Attends, comment ça s'appelle déjà ce quartier? Enfin, je vous demande, mais... À moins que vous soyez déjà... parti en vacances à Seattle, il y a peu de chances que vous connaissiez. Et moi, pour le coup, j'ai oublié. J'ai oublié, mais les petites lanternes me font penser beaucoup à Pioneer Square. Merde. Oh putain, comment on fait? Je suis sûr qu'il y a des trucs de ouf. On recommence. Tu peux pas me faire la courte, JC? Oh là là, hey. Il est où, lui? T'es où? T'es redescendu exprès? T'es un vrai frère. Mais c'était peut-être pas nécessaire. Ah, on peut passer sur le côté. Voilà. Je me disais, le saut, je l'avais bien fait, donc si je l'ai raté, c'est que c'était pas la façon de faire. Des balles. Ah, en plus, savoir quoi faire. Vas-y, recharge. Il est bien momifié, celui-là. Hein. Et vous savez quoi? Je viens de regarder mon chrono, du coup. On va s'arrêter ici pour ce 18e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, il était énorme. C'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous.
Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé vous aussi. Abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos et leurs notifications. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très très vite. C'est promis. Bientôt. Ciao ciao.